Et nous disons Dieu merci pour ça qu'il fait pour nous continuer à faire. Et matin, nous voulons parler de la nouvelle année. Comme on connaît, à chaque fois que l'année va commencer, il y a un peu de résolution qui fait, un peu de plan qui fait. Nous connaissons ces volontés bon Dieu même pour nous capables de réussir dans tout aspect dans la vie. Nous. Et matin, nous allons parler de comment on est capable d'être en bonne santé. Et il y a plusieurs barrières pour faire, ou gagner pour capable et gérer santé ou et comment pour capable gérer santé ou capable aller faire check-up et surtout pour mesdames avec mammogramme de bougain 40 ans. Once you reach 40 years old, you need to be thinking about doing your mammogram. Pour monsieur, c'est prostate, checker prostate de bougain 40 ans et plus. Et puis nous gagnons pour faire colonoscopie tout pour monde qui a 50 ans et plus. Ça c'est dépistage, prévention qu'on capable faire avec santé. Et en l'autre façon tout, ou a besoin vaccin, you need to get immunizations. For example, immunization for hepatitis A and B, vaccin pour hépatite A avec B grand pile monde dans communauté à qui pas vacciné avec hépatite. Hépatite, c'est maladie froid qu'on capable gagner si ou pour hépatite A, c'est à travers manger, à travers de l'eau, par exemple, soit là en Haïti, ou pas vacciné, ou capable de prendre maladie hépatite A. Hépatite B, c'est dans le sang, ou capable de prendre avec transfusion de sang, ou capable de prendre. Et puis nous avons tout flou, vaccin pour grippe, flou chat, il est très important pour capable de prendre, surtout dans la saison, ça, dans la saison pandémie que nous y est, il est très important pour capable de prendre flou chat. Et dernier immunisation qu'il a parlé, c'est COVID-19, vaccin pour COVID-19. Nous avons deux vaccins qui sont approuvés aux États-Unis. C'est vaccin et Pfizer avec vaccin Moderna. Moi-même, personnellement, moi déjà prends, I got my shot. My first shot was in December 21st. Premier vaccin que je prends, c'est 21 décembre. Et puis, deuxième dose que je prends, c'était en janvier, 11 janvier. Nous prenons un vaccin. The second shot was January 11. I took it. And look at it. I'm still alive, right? I haven't grown taller. Although I would have loved that to be taller. and my hair has not changed. I'm still alive. So I'm encouraging you all to consider the vaccine. Look at it. Surtout nous-mêmes qui gagnons maladies chroniques. Those of you who have chronic diseases, take advantage of that. Vaccin tellement bon. Vaccin tellement bon. C'est moun qui gagne moyen yo qui a passé en battable pour capable prendre vaccin malgré yo mette moun pour moi qui qualifier c'est moun moun qui dans personnel de santé yo moun qui dans santé et puis tout moun qui dans nursing home et puis moun qui 65 ans et plus et malgré ça ou moun qui gagne moins que 65 ans yo passe en battable pour prendre vaccin. Donc, m'a encouragé nous, les nous rêver, les tout pas nous rêver pour nous profiter, c'est sous 65 ans et plus, et puis tout sous maladie chronique, tension, sucre, et sous fait asthme ou pression, ou qualifié pour vaccin, ça, pas quitter les trop tard, au contraire même, vous commencez par mon rendez-vous tant qu'on y a parce que vous commencez à diminuer ce vaccin, parce que tellement de monde candidat pour vaccin. Donc, et pas oublier ça, c'est très important dans le Convention Center, il y a offre vaccin. Hein? Et puis dans True Health, il y a offre vaccin en hein, clinique. Et puis nous, même tout côté de nous travaillons dans Blast and Family Health. Très bientôt, dans moi qui viens, le mois de février, nous avons vaccin dans la clinique. Donc, il est important pour aller faire check-up et puis pour vacciner, surtout sur les maladies chroniques. C'est là que nous avons prêté pour update. Nous prions pour être capables de traverser la parole de bon Dieu. Seigneur éternel, de trois fois, nous bénissons. Nous parlons gloire, honneur, louange, ou même seulement qui mérite. Nous bénissons, Seigneur, au fait nous là, capables de partager la parole. Nous permettons que chaque nom qui a côté, tout le monde qui a attendu, soit capable de mettre en pratique la parole. Ça. Nous prions comme ça. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Maintenant, nous allons parler de bon Dieu, qui a un plan pour nous. Nous avons chacun qui là, regardez. Voisin nous dit, bon Dieu, il y a un plan pour vous. God has a plan for you. Amen. Look at your neighbor and say, God has a plan for you. And everybody, God has a plan for you. God has a plan for you. All right. Bon Dieu, il y a un plan pour nous.
Il dit, bien-aimé, moi souhaite tout bagay à marcher bien. Amen. Pour ou, moi souhaite ou en santé dans le corps, tant qu'ou en santé dans l'esprit. Ou. Ça veut dire que volonté bon Dieu, c'est pour nous capables en bonne santé. Uh-huh. Santé comment? Well, sur le plan spirituel, sur le plan mental, uh-huh. sur le plan physique et yes. sur le plan financier. Yes. Ça veut dire que plus bon Dieu pour nous, volonté bon Dieu pour nous, c'est que nous en bonne santé dans tout domaine. Malgré qu'il y a un peu de monde qui pensait que là où c'est chrétien, ou tu as toujours doué, ou toujours doué, rester tête marée. No. Là où c'est chrétien, no. ou pas doué en bonne santé, finance surtout. Il y a des gens qui pensent ou pas un chrétien pas doué riche. Mais si vous n'avez pas l'argent, comment vous êtes capable de faire aider? Royaume bon Dieu a avancé, c'est presque impossible. Donc volonté bon Dieu c'est pour nous capables d'être en bonne santé. Premièrement, on va parler de santé spirituelle. What are the signs of spiritual blessing? How do you know that you are spiritually blessed, that you're making progress spiritually? Comment on fait qu'on est que on fait progrès spirituel? On nous regarde dans Colossiens 1er verset 10, il dit comme ça, n'a vive Jean bon Dieu voulait là n'a toujours fait ça qui fait le plaisir. Amen. N'a fait toute qualité bon bagay. Mm-hmm. N'a grandi dans connaissance bon Dieu. This is how you know that you are progressing spiritually. According to Colossians 1 verse 10, he says that you will be pleasing to the Lord. N'a toujours fait bon Dieu plaisir. Donc ça c'est you n'en sais que ou avancer ou progresser spirituellement, les commencer à faire bon Dieu plaisir. Et comment faire bon Dieu plaisir? La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de faire plaire à Dieu. Without faith, it is impossible to please God. Donc, il faut gagner la foi. Et comment la foi commencer? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que, si vous voulez faire bon Dieu plaisir, vous devez gagner la foi. Et si vous avez besoin de la foi, ou besoin de la foi augmentée, ou besoin d'une petite jambe dans le Seigneur, ou besoin de rester dans la parole de Dieu. Amen? Amen. Donc, c'est très important pour nous capables de checker tête, nous faisons inventaire dans la vie, nous, pour nous voir, est-ce que ma progressé spirituellement? Am I progressing spiritually? Mm-hmm. So, we need to please God. Amen. Amen. Et nous, we need to do good things. Nous devons faire bon bagay dans le Seigneur. Amen. Amen. Deuxième signe qui fait nous progresser, qui fait ouais, nous progresser spirituellement, c'est selon Galates 5, versets 22 et 23. Et il dit, mais l'Esprit bon Dieu by remet, qu'est content, qu'est posé, patience, bon cœur, sérieusité, les faire au gain, bonne manière. So, if you want to know that you are spiritually maturing, check yourself. Look at Galatians 5, verse 22 and 23, and see if you have the fruit of the Spirit. Amen. And what is the fruit of the Spirit? Well, it's love. C'est l'amour. Est-ce que vous avez l'amour pour frère et sœur? Est-ce que vous avez l'amour pour prochain? Est-ce que vous avez l'amour pour mari? Est-ce que vous avez l'amour pour madame? Est-ce que vous avez l'amour pour frère avec sœur? Deuxième bagage, c'est la joie. Est-ce que vous avez joie dans le cœur? Bien pile monde toute la journée à fond au mari, vigi au mari. Est-ce que ça montre vraiment que vous avez la joie? Mais pas du tout. Vous devez montrer vous avez la joie dans le cœur. La joie marche avec la paix. So joy Amen. Goes together with peace. Now remember that peace is not the absence of trouble, but it's the presence of God. Amen. Donc avec la présence de Dieu, on va gagner la paix. La paix. C'est comme ça que mago est en pile monde qui a sauté, en pile monde a peur de pandémie COVID-19 là, en pile monde qui doit pas gagner travail, en pile monde qui doit pas payer caillou, mais nous-mêmes qui gagne bon Dieu dans la vie, nous-mêmes qui gagne le Saint-Esprit, nous devons rester en joie Amen. Et en paix. Amen. Amen. Donc, c'est très, très important, c'est comme ça, pour ouais. Est-ce que vous progressez spirituellement, vous gagnez la paix dans vous-même. Amen. Amen. Donc, on le dit encore, est-ce que vous avez la patience? Patience is very important. Patience is definitely a virtue. A lot of people are going to try your patience, but do you have the patience? Do you have what it takes
to grow as a Christian. Patience is when people start doing things to you and you don't get upset, you don't get bitter, and you don't get you're about to swing on somebody. Yeah. So you have to have patience. Patience, c'est une affaire qui est très, très, très importante. C'est-à-dire que les gens qui ont un problème dans Kaila, les maris ou madame ou tout le monde qui ont parlé, c'est-à-dire que ou pas mauvais sur eux, ou bien ou pas fait mauvais sang. Donc, vous devez gagner qui ça? Patience. C'est une affaire qui va faire progrès spirituel. Amen. Qui l'autre signe? Kindness. Kindness, non? C'est bon cœur. Do you have a good heart? Do you have kindness in your heart? Donc, that's one of the ways to check yourself. The next thing is goodness. Goodness, sérieuxité. Donc, il est très important. Est-ce que, are you a serious person? Do you have honesty? L'homme vient pour faire 5 tournées 8, ou bien 3 tournées 8, ou bien 6 tournées 9. Est-ce que, ou même, ou fait bagay sa yo? Ou doué yon moun qui? Honnête. Moi, j'ai... pendant la clinique moi comme ça et puis il y a un soeur qui vient lui dit hey doc on a besoin en titre est-ce que tu travailles dans la clinique là même dit OK bon tu gagne papier soeur lui dit oh moi gagne papier yon soeur moi que m'a utilisé quand elle m'a dit oh soeur est-ce que ou pas converti comment faire pour utiliser papier soeur ça pas fait sens donc où doit gagner honnêteté, vous devez gagner sérieuxité, la caille, très 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 important, c'est une façon pour capable checker pour voir est-ce que vous avez fait progrès spirituel et vous devez toujours gagner bonne manière. You have to be kind and you have to be gentle. Gentleness is very important because what happens is when you are a Christian, people are watching what you're doing. They watch every move of yours, yeah, especially yeah. When people ask you, how you doing? You say you blessed. See, your action got to match your word. Donc, it is important to have kindness in your heart. Kindness, to show kindness to other people. That's very, very important. And another thing that we all need is self-control. Est-ce qu'on gagne contrôle de soi pour pas exploser le monde par les aveux, pour pas exploser le monde faire un commentaire sur vous, ou bien le monde n'a pas au feedback, le monde n'a pas au contrarié constructive criticism, so you don't get upset. Some Christians, some of us get upset too easily. En pile dans nous comme chrétiens, nous fâchons trop facile. Trop facile. Il est très important que vous gagnez ça qui est self-control. Amen. Another, a third way that you know that you're progressing spiritually is when the things of God become a priority to you. Amen. For example, the Bible says in Matthew 28, verse 19 and 20. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 19 et 20, il dit, allez faire disciples pour moi dans toute nation, baptisez-vous comme dans nos papas, petit là, à Saint-Esprit. Montrez-vous pour observer tout ça, moi, t'es bon, nous l'autre fait. Songez ça bien, moi avec nous, tous les jours, jusqu'à Kaba. So, that's the Great Commission, right? We are all aware of that. Nous tous connaissons la grande commission. Mais est-ce que nous vraiment obéissons à la grande commission? Posez-vous une question. You have to ask yourself. You have to be honest with yourself. And say, am I obeying the great commission? Est-ce que m'a obéi à la grande commission que la Bible dit nous? Est-ce que bagay bon Dieu intéressé? Are you doing God's work? Like when you wake up, are you asking God for an opportunity to witness? Because this is a priority for us as Christians. We need to witness for Jesus. But how are we doing that? I'm going to leave you with this acronym. It is called CIA. I believe we talked about that before. But CIA. Yeah. Number one, you have to be consistent. Are you consistent? Est-ce que consistant? Non, évangélisation. Number two, you have to be intentional. Est-ce que vous vraiment intentionnel dans son affaire? Est-ce que vous avez intention? Je dis à vous lever, vous dites intention, c'est vous capable de bailler la parole. Intention, c'est vous capable de prêcher la parole. C'est vous capable d'évangéliser un monde qui ne connaît le Seigneur. You have to be intentional. Même si vous levez pour prendre breakfast, même si vous levez pour aller au travail, pour aller à l'école,
c'est même gens ou capable de mettre dans tête aujourd'hui, il faut gagner un nom pour le Seigneur. Amen. Donc, troisième bagage, c'est CIA. The first one is consistent. Il faut être capable consistant. Si on va toujours faire. Number two, you have to be intentional. Il faut faire attention. Number three, you have to be available. OK? Now, il faut être capable disponible. Parce que, en pile fois, bon Dieu mette mon yo sous genou nous ou bien sous cuisse nous et puis nous quitte mon yo glissé. Donc, nous pas d'adouer faire ça comme ça. So, a lot of time, God give us the opportunity and put those people on our laps. Put the friends, the cousins, the brothers and sisters on our laps, but you will let them sleep. Why? Because that may not be a priority. We need to make evangelism. We need to make God's kingdom fruitful. We need to make this intentional. Amen? So check yourself. Number one, how you check yourself if you are spiritually strong? Number one, we talk about why? Hello? Evangelism. Oh, so evangelism, that's one thing, right? Number one, we talk about do you have the fruit? The fruit and we also spirit. Talk about est-ce que vous faites bon Dieu plaisir? So those things, though, you have to check yourself. Do you please God? How do you please God? By faith. Mm-hmm. Number two, do you have the fruit of the Holy Spirit? And number three, do you give priority to the things of God? And it is so important. You know that the most common term or the most common word in the Bible thousands of times is God's kingdom. Ça qui est plus commun dans la Bible, qui parle dans la Bible, c'est le royaume de Dieu. Deuxième bagage, c'est l'argent, il ne parle pas de ça. Ça bagage, c'est très important. Et deuxième façon, bon Dieu, voulait pour nous capables, c'est dans le plan, bon Dieu, pour nous capables en santé mentale. Et we may take that for granted, but there's a lot of crazy people out there. En plus, les gens qui perdent l'horloge, ils perdent bon sens. Mais bon Dieu fait nos grâces. Il dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, pas de quoi nous traquer pour rien. Mais dans toutes circonstances, demander bon Dieu tout ça nous besoin dans la prière. Toujours songer dire merci, mais dans la prière. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7. En plein monde, a lot of times, we worried about our husband, our wives, our girlfriend, boyfriend. Oh, I wonder where he's at. I wonder where she's at. Really? You don't have time to worry about those things. The Bible tells us we need to pray instead of worrying about that. Oh, a people have to. Oh, that's Troisième bagage que bon Dieu voulait pour nous, pour être capable d'être en santé physique. Santé physique est très très important. Santé tellement important, les mentionner plus que 800 fois dans la Bible. Ça veut dire que désir bon Dieu, volonté bon Dieu, c'est pour nous être en bonne santé. Et songez bien, la Bible pas condamné pour aller au docteur. La Bible pas condamné la science et médecine. Mais lui fait nous songer que bon Dieu, Jéhovah Rapha, c'est notre guérisseur. C'est bon Dieu, l'Éternel, il est notre guérisseur. Il dit que c'est bon Dieu qui inspire le docteur. Mm-hmm. C'est bon Dieu qui donne la science, la médecine, pour être capable de rester en bonne santé. C'est le faux. Bon Dieu même est capable de guérir nous parce que lui c'est Jéhovah Rapha. Amen. So another thing too, we got to realize that both healing and suffering can serve a higher purpose. Tu songes ça? Ni guérison ni la souffrance, ils sont les deux capables de servir comme une sorte de but, une sorte d'objectif pour bon Dieu, pour la gloire de Dieu, capable de manifester. Nous songes Lazare, Lazare était malade. Lazare pas guéri. Quand il y a Lazare mouri, et puis Lazare fin mouri, il va chercher Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ a venu, et puis lui, levé Lazare. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Dieu. Amen. Amen. Et troisième bagaille, n'après, dans Genèse 1er, verset 29, il dit, toute plante que nous avons là, moi, ben nous, pour nous capables de manger, plantons avec fruit. Ça veut dire que, désir bon Dieu,
volonté, bon Dieu, c'est pour nous rester en bonne santé. Il a déjà fait provision pour nous. Je m'a consulté les patients, je m'a parlé avec les patients dans la clinique. Je dis toujours que les gens qui ont mangé devant, moitié dans la plate, là, doit salade avec végétal. Salade, végétal, fruits, etc. Et il y a plus de fois les patients qui mais c'est un gros secret qui est là-dedans. Parce que pour être en bonne santé, vous devez manger en pile végétale. In order to stay healthy, to be healthy, you need to go by what the Bible says. Genesis 1 verse 29. Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed and its fruit. God already made the provision for us. It's really up to us to be healthy, to stay healthy. It's really up to us to do what the Bible says or what you want to do. And you will see the consequences. Amen? So it is God's will for us to be healthy spiritually, mentally, and physically. So now, to finish, we're going to talk about financial blessings. Remember that possession, money and possession are so important that they are mentioned so many times in the Bible. So many times. Over 800 times. When they did know that. Bagay sa tellement important. L'argent, possession, tellement important. La Bible mentionne ça plus que 800 fois. Ça veut dire que c'est le deuxième bagay qui est plus mentionné de la Bible. That's the second thing that's the most mentioned in the Bible. The first thing is God's kingdom, the kingdom of God. The second thing is money, finances. Now, it's going to be up to you. Now, the Bible says the love of money is the root of evil. En pile mon prend prétexte. A lot of people, they make excuse, oh, you don't need to get all this money because money is evil. No. I mean, think about it. A lot of people who have money, they actually can help the kingdom to advance. So money is important. The love of it is the bad thing. But you need money. So it's so important that it is a lot in the Bible. More than, how many times? More than 800 times. But there's got to be a plan. Ou doué gagner un plan, comment on peut acquérir l'argent ça. C'est pas dire que vous ouvrez boire et puis l'argent financier l'a tombé. Mais vous besoin faire un budget. Brothers and sisters, you need to develop a budget. A very a good budget. Vous devez faire un budget. C'est-à-dire que même gens, le plan d'Haïti qui sont faits, ou relais pour prendre ticket, ou gagner des gens qui relais famille pour préparer, gagner des gens qui parlent les familles. Et puis tout, ou qui t'en font pile préparation en Haïti, c'est même gens. Quand il s'agit de l'argent, l'important pour capable développer yon qui ça? Yon budget. Ou dit bon, l'argent ça, premier bail là, c'est pour l'éternel, 10%. Ok? Et puis, deuxième bail là, c'est pour faire économie. Troisième bail, c'est pour capable payer bilou, etc. Mais n'est pas tout le monde qui sorti qui tombe dans la mer ou dépenser. Mais c'est pas comme ça nous devons comment comprendre comment pour nous gérer ça nous gagner ça bon Dieu ben nous. Amen. Donc dans les regardez en Philippiens 4 verset 19 il dit que my God will supply every need of yours according to the riches and glory in Jesus Christ. Bon Dieu qui riche en pile là va ben nous tout ça nous besoin dans Jésus-Christ. Yes. Amen. God is rich. Everything belongs to him. And he will entrust you with what he has. But are you ready? Est-ce que nous-mêmes nous préparons pour être capables de recevoir bénédiction ça? Not everybody is ready. When you look at, the top five rich people, billionaires, are actually believers. Then I've got the advice of Bill Gates. Bill Gates is a Christian. He's Catholic. He believes in God. When you look at Sam's, par exemple, Sam Walton. Sam Walton, c'est lui-même qui met Walmart, c'est lui-même qui développe, qui commence avec Walmart, the CEO for Walmart. And Sam's, guess what? Those are billionaires, they are believers. See, you would think that when you're a Christian, you don't have l'argent, you don't have marché sur l'argent. Oui, you don't have l'argent pour faire intéressant, mais you don't have l'argent pour capable. Bénir l'autre monde, faire l'évangile avancer, aider les gens qui ont besoin, amen. So, remember that everything belongs to God. Haggai 2, verset 8, Haggai 2, verset 8,
He says, silver is mine and gold is mine, declared the Lord of hosts. Tout bagay c'est pour moi. So you have to understand that everything belongs to God, and God will entrust you with certain things, with the money, but you have to be a good manager of what you have. You doit bien gérer ça, bon Dieu, bon nous. So it's très, très important. Pour finir, il dit que ou doit honorer bon Dieu avec prémisse. So, when you're looking for work, l'on va y travailler, ou à chercher travail, quand y'a touché chèque là. Première portion, vous devez mettre à part, c'est pour l'éternel. Parce que comment vous capable récolter son pas semé? Vous devez semer. You have to sow in order to reap the harvest. So, if you really want to be blessed spiritually, blessed financially, you have to give God priority. Everything that you do, including your pocketbook. Amen? Amen. Very, very important. And finally, in Philippians 4, verse 11, it says, now I'm speaking of being in need. I have learned, whatever situation I am, I've learned to be content. Okay? I know how to be brought low, and I know how to abound. In every circumstance, I have learned the secret of facing plenty of hunger, abundance, and need. Apôtre Paul dit que dans toutes ces circonstances que moi j'ai, moi apprendre pour me capable satisfaire, pour me capable contenter. Ça veut dire que si c'est volonté bon Dieu pour capable riche, wap riche. I know it's God's will for me to be rich, to be a millionaire. Déjà connais ça. Au nom de Jésus, pour millionnaire quand même. Ça c'est conviction, bam. Yes. That's my conviction to be a millionaire. But what are you thinking? What's your conviction? At the same time, whatever degree that you reach, you have to be content. Yes. So, for the capable contenter, I saw gagner. Ça va me dire pour suspendre essayer. So you try and try and try and try, yes. And wherever you reach, that's where God wants you to reach. But amen. Never stop trying. Amen. That's what I'm saying. You need to keep trying. But whatever you reach, that's where God wants you to be. So you need to be satisfied with what you have. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu aide nous capable comprendre parole ça. Que bon Dieu capable ouvrir les yeux nous pour nous capable connaître que li dans volonté bon Dieu, li dans plan bon Dieu. It is God's plan for us to be healthy spiritually, mentally, physically and financially. Grâce bon Dieu avec nous. Amen. At this time, if you haven't received Jesus Christ as your Lord and Savior, this is the time. So, if you accept Jesus Christ as your Savior personnel, it's the moment to do that. And if you accept Christ as your personnel déjà, you are loin de lui-même. C'est le temps pour capable redédier la vie à Jésus Christ. Donc, nous avons autant ça que bon Dieu bénisse nous. Amen. Vous capable passer devant. Amen. Je vous laisse, Seigneur.